La version immortalisée du duc de Sussex fait une fouille foudroyante à Meghan sur son voulant être une princesse dans le dessin animé controversé de HBO Le Prince. Le prince Harry et Meghan Markle sont à nouveau la cible d'une blague brutale dans la série de dessins animés controversés de HBO. Cette fois, la version immortalisée du duc de Sussex fait une fouille foudroyante à Meghan sur son voulant être une princesse. Le prince, qui a été créé par l'écrivain Family Guy Gary Janetti, suit le temps imaginaire du prince George au palais de Kensington aux côtés des parents William et Kate et d'autres membres de la famille royale. Point. Bien qu'il vise à être ironique, le spectacle s'est avéré plutôt source de division alors que les fans royaux l'ont critiqué et ont déclaré que les enfants sont interdits. Pourtant, Meghan semble être la cible d'une autre blague, qui fait suite à un épisode précédent qui se moquait de sa querelle avec Kate Middleton. Le troisième épisode, cependant, voit Meghan, exprimée par Condola Rashad, et Harry, Orlando Bloom, pratiquer les lignes d'un script alors qu'ils parlent d'emploi. Dans la scène, Meghan se plaint de sa carrière d'actrice, qu'il a vu devenir célèbre grâce à son rôle de Rachel Zane. Elle fulmine, c'est nul. Sur Suits, j'étais une habituée de la série. Avocat. Alors qu'Harry répond. N'était-elle pas une assistante juridique les 6 premières saisons? Je ne sais pas. Répond Meghan alors qu'ils commencent à parler de leur rêve d'enfant. Harry avoue qu'il voulait être massothérapeute et quand elle le sonde, il dit, vous n'avez jamais rêvé quand vous étiez enfant d'être quelque chose que tout le reste disait était impossible, comme un astronaute, un premier ministre ou un masseur. Meghan répond rêveusement, ah. Point point. Je voulais être une princesse. Harry Zane quip. Oh. Well you kind of f asterisk 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 at that up. It comes after Meghan and Harry officially step down as senior royals this year, with the pair going on to make explosive claim about royal life in their infamous interview Oprah Winfrey. Prince Harry admitted that there was a low offer between him and his father. His Apple TV interview with the host went on to see him accuse the royals of total neglect over his mental health.